puisque vous avez posé la question sur le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, c'est le résultat d'une législation, des normes qui sont accumulées les unes aux autres. Chaque ligne a une raison. Le fait de vouloir simplifier en faisant disparaître des lignes, c'est quelque part mettre, pardonnez-moi l'expression, la poussière sous le tapis. En réalité, ces lignes, elles sont là pour une raison, parce qu'on ajoute des taxes en permanence. Ça veut dire que si on, soit on simplifie le mode de rémunération et la façon dont fonctionne le bulletin, la rémunération des collaborateurs, mais simplement en simplifiant le bulletin de salaire, en supprimant une partie du bulletin de salaire, en oubliant la contribution que font les entreprises et qui est un élément important pour les collaborateurs pour comprendre le coût et ce qui est payé par ailleurs, et ne nous va pas dans le bon sens. C'est artificiel. Il vaudrait mieux se poser la question, si on se pose la question, de toutes les taxes qui existent sur le bulletin de salaire. Est-ce qu'on peut les unifier? Est-ce qu'on peut les simplifier? Est-ce qu'on peut rendre le système plus efficace? Voilà.